depuis le matin, on a à peu près déjà une bonne demi-heure de bateau. Ensuite, une grosse demi-heure d'installation entre la mise en place de la calée, l'aménagement du poste avec les roseaux. On en a une grosse demi-heure en plus. Le plateau, il sert à ce que l'oiseau soit bien, il fatigue moins, il chante plus, donc c'est que du bonus, c'est pour ça qu'on les met sur des plateaux comme ça. Alors c'est tout simplement un plateau en bois, avec un émerillon dessous, un bout de corde, et un émerillon avec une agrafe à l'autre bout pour accrocher à la patte du canard. Alors, allez, trois jolies sarcelles. Donc là, on a trois sarcelles d'hiver. Là, on a une femelle. On le voit parce qu'elle a des petits points sur le bec, là. Voilà. Et en général, plus elles sont âgées, plus elles ont de points comme ça sur le bec. Bon, c'est pas toujours évident de le voir à cette période-là, parce qu'ils ont pas de couleur du tout. Puis là, c'est vraisemblablement un mâle. Ici, on voit les premières plumes de mâle apparaître. D'accord. Donc, pour sûr, c'est un petit mâle. Mais en fait, la sarcelle, c'est avant tout le canard qu'on recherche ici, quoi. Donc, du coup, après, il y en a plein d'autres canards qui sont intéressants à chasser, mais c'est vrai que la sarcelle, c'est ce qu'il y a de plus représenté ici, et c'est ce qu'on aime chasser, quoi. Il reste encore un petit peu, parce que là, on peut avoir encore du canard à voler pendant une petite heure encore, quoi. Tu vois, là-bas qui baisse, tu vois? Ouais. On s'est fait mancher comme des... Ah, il est trop loin. Je l'ai vu arriver en plongeant, mais je sais pas d'où il est arrivé. Ouais, mais c'est vrai, j'ai vu qu'il était là. Regarde ça. Ah non, c'est pas mes pas. Là, on a un colvert qui est venu se poser par surprise. Et quand Thibaut a voulu attraper son fusil, ça a fait du bruit dans les roseaux. Du coup, il nous a entendu, il est reparti. Forcément, il est parti du mauvais côté. Tu voulais faire un coup de bateau avec Pipi? Vas-y, si tu veux aller essayer de le chercher. Il y a un canard blessé qui vient de descendre dans le roseau là-bas. Et en fait, il va essayer de le chercher rapidement avec le chien parce que si on le laisse trop longtemps, le canard, bah, il finira par se cacher dans les roseaux, on ne le retrouvera jamais. Il l'a eu Thibaut? Non? Ah, il est passé sous le bateau.
qu'on a hésité à tirer parce qu'on pensait qu'elles allaient se poser et finalement elles se sont pas posées. Et du coup elles sont parties quoi. Quand on met des implants comme ça, le but du jeu c'est d'essayer de faire poser. Donc du coup, on préfère quand ça pose quoi. Et là, on pensait que ça allait se poser. Malheureusement non. Mais c'est le jeu quoi. Cherche-le. Allez. Cherche-le. Il est là. Et puis. Cherche-le. Allez, apporte-le. Apporte-le. Ouh, que c'est bien ça. Ouh. Ça c'est bien. C'est bien la petite fille. Ouh, beau canard. Ça c'est bien. Ouh, que c'est bien. Ouh, que c'est bien. Hop, donne. Ça c'est bon, ça c'est bien. Il était tombé dans l'eau ou dans les roseaux? Un peu affiché. Hein? Les roseaux, elle a bien trouvé. J'étais à la rue, moi j'étais loin. Ah ouais? Bravo. Impeccable. Je peux lui donner. Hein. C'est bien. Super. C'est bien ça. Il y a beaucoup de fusils là, non? Ouais. Vous êtes un peu surpris là? C'est juste, non? Ouais, avec le soleil en plus, on n'en voyait pas bien arriver. Et c'est vrai que... une bonne petite distance. C'est important d'avoir un chien Ouais, surtout dans les zones comme celle où on chasse ici, là, parce que le roseau il est très épais. Et en fait, on voit rien quand on est dedans. Quoi. Et du coup, le fait d'avoir un chien, bah, c'est intéressant parce que ça nous permet de retrouver les canards qui tombent dans le roseau. Quoi. Par exemple, celui-là, sans chien, on ne l'aurait sûrement pas retrouvé. Quoi. Donc c'est même presque indispensable ici. Quoi. D'accord. Ça, c'est un chien qui a de la bouteille Non, c'est un jeune chien. C'est un chien qui a 2 ans, donc on va dire qu'elle commence bien. Parce qu'elle est passionnée puis qu'elle a du nez, donc on verra. Et Thibaut, sans le chien, tu n'aurais pas pu Ah non, j'avais une chance sur 10 de le trouver. Et en plus de ça, moi je ne cherchais pas au bon endroit que Louis. Donc c'est pour ça, elle a fait un très beau rapport. Rien à dire sur ça. Alors ça en fait c'est... ça c'est des cannes court-cris. En fait c'est des hybridations qu'on fait pour avoir un certain type de chant et un certain nombre de notes. C'est-à-dire que ces cannes-là en fait elles doivent donner entre 2 et 5 notes maximum avec des chants plutôt doux. Et pour arriver à ça en fait on fait des hybridations entre différentes espèces. Alors le père de celle-ci c'est un mâle pilé croisé avec une femelle colvert. Et sa mère c'est une femelle chipot avec un mâle colvert. Voilà. Et donc pourquoi on choisit celui-là, pourquoi alors? Ben en fait le court-cri c'est ce qui se rapproche le plus en fait d'un chant de canne sauvage, puisque les cannes sauvages ne chantent pas beaucoup. Et en fait l'idée c'est d'avoir un chant qui se rapproche du sauvage pour faire poser les canards. Son rôle à elle c'est de rassurer, de faire poser le canard. Alors là-bas, on le verra après, on a des chanteuses donc, qui elles normalement font que chanter et qui ont pour but d'attirer les canards de loin par leur chant. Après on aura aussi des demi-cris par exemple, qui elles vont donner entre je sais pas, 5 et 10 notes à peu près. Quoi, qui elles sont des cannes intermédiaires, quoi, voilà. Elles sont pas censées faire peur aux gibiers, elles sont censées voilà, pas spécialement les faire poser non plus, mais en tout cas animer une calée et puis attirer le canard. On a une sarcelle. Alors c'est pareil, ça c'est une sarcelle hybride. Alors, il faut savoir que les canards, on n'a pas le droit non plus d'hybrider n'importe quoi. On peut hybrider que les canards qui sont chassables. Voilà. Et puis aussi le canard mignon. Alors là justement, on a hybridé du canard mignon avec de la sarcelle d'hiver. Voilà. Pour avoir des sarcelles un peu plus grosses qui craignent moins le transport, etc. Alors sur les canards, on a plusieurs types de bagues. On a tout d'abord ici, on peut le voir là, une bague de naissance, enfin ce qu'on appelle une bague de naissance, c'est-à-dire que les canards quand ils naissent, on leur met une bague à la patte qui sert à déterminer le propriétaire ou enfin du moins celui qui a fait naître l'oiseau. Voilà, moi j'ai un code détenteur et en fait je peux identifier mes oiseaux parce que il y a mon numéro dessus. Voilà, ça c'est une bague de repérage que moi j'ai fixée pour reconnaître les oiseaux. Et enfin ça c'est une bague d'attelage, donc qui va nous servir à accrocher
le canard grâce à cette agrafe sur le plateau. Le chien avec les canards, il n'y a pas de problème? Il fait la différence? Ouais, il fait la différence parce qu'en fait, dès tout petit, les chiens comme ça qui sont faits pour le rapport à l'eau, ben, en fait, on les habitue à nos implants, c'est-à-dire qu'on les emmène dans les parcs où on a nos canards, etc. Et du coup, ils arrivent à faire la différence entre un canard sauvage et puis un implant. Hier, c'était l'ouverture. Il y a eu quelques colverts, on a pu en prélever quelques-uns. Et puis aujourd'hui, on a pu tirer les premières sarcelles et ça fait toujours plaisir parce que c'est vraiment le canard qui nous passionne et qu'on chasse beaucoup ici. Bonne matinée, 5 oiseaux tirés, voilà, il n'en faut pas plus, quoi. Le chien a bien travaillé, a retrouvé le canard qui était tombé dans les roseaux, donc impeccable. Voilà, chasse au canard, c'est vrai que c'est une passion. On y passe énormément de temps, les appelants, c'est 1 à 2 heures de travail tous les jours. Et puis quand on les sort, on est content. Puis ce qui est important sur ce genre de journée, même si on ne voit pas d'oiseaux, bon, on se régale déjà par le fait d'être présent ici. Et puis on passe toujours des bons moments avec les amis. Voilà, avec Thibaut, c'est vrai qu'on va souvent la chasse ensemble. Ça nous permet de découvrir la Camargue autrement. C'est vrai que si on n'allait pas à la chasse, on ne pourra pas la voir de cette façon-là. Voir autant d'oiseaux, être sur ces roubines-là. Connaître les marais. Donc voilà, on passe toujours de bons moments, il y a toujours quelque chose à voir, des belles lumières, des oiseaux partout. Donc c'est vrai que c'est parfait.